Allô, Ali? Écoute, il faut absolument que tu sois à l'heure aujourd'hui. Il y a du gratin de macaroni dans le frigo pour les enfants et s'il te plaît, quand ils arriveront à la maison, dis à Zach de commencer ses devoirs. J'ai vraiment besoin de savoir que je peux compter sur toi. Entendu. Au revoir. Allez, les enfants, on va être en retard. Regarde, maman, je suis un oiseau. Chérie, tu peux ranger tes affaires dans ton sac à dos, s'il te plaît. On va arriver en retard à l'école. Maman, devine quel oiseau je suis. Allez, devine. Attention, petit oiseau, faudrait pas te faire mal aux ailes. Je suis un aigle, comme sur les billets d'$1. J'ai adoré les pancakes, maman, c'était super bon. Le restaurant devrait te laisser faire la cuisine. Merci. Hé, tu as fait tes devoirs. Je déteste les maths, maman, j'y arrive pas. Kelly, va chercher ton sac à dos. Je vais pouvoir t'aider. Bon, il y a 4 grands verres dans 1 litre. Donc si j'achète 1 litre de crème glacée et qu'on en prend tous les 3, combien on en aura chacun? Maman? Maman? Je veux m'envoler comme Peter Pan jusqu'au pays imaginaire. Alors, commence par voler jusqu'à la voiture. Ouais! On aura un grand verre plus le tiers d'un verre chacun. C'est ça, tu vois, t'es douée en maths. Seulement quand on parle de glace. Ne cours pas dans l'escalier. Zach, s'il te plaît, promets-moi de rentrer directement à la maison après l'école. Ali vous retrouvera ici. Zach, ça marche. Génial. On a assez d'argent pour acheter une glace? Peut-être. Oh oh. Quoi? La dame chauve-souris nous surveille. Qui ça? Chérie, tu ne devrais pas donner de surnom aux gens. Madame la dame chauve-souris. Elle est flippante. Peut-être que c'est pour ça que papa vient pas nous voir. Ça fait pas longtemps qu'on vit dans ce quartier. Elle est peut-être simplement curieuse. Cette ville, c'est celle où papy vivait, hein, maman? Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé connaître mon papy. Moi aussi. Non, 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 non. Oh non, on ne pourra pas acheter une nouvelle voiture. Oh non, encore, maman, comment on va faire? On va rester positif, parce qu'on est une équipe, pas vrai? Cette voiture est nulle. Mais on y tient. On a vécu tellement de choses dans cette voiture. Alors si elle refuse de démarrer, on n'a qu'à se rendre à l'école à pied. Voilà. Oh ouais! Elle a enfin démarré. On y va. J'arrive tout de suite. Allô? Oh, zut! Oh, mon Dieu, désolée, excusez-moi. Doucement, jeune femme. Peu importe ce que c'est, ça peut attendre. Il est où? Moi aussi, j'ai des enfants. Je sais. Et je dois les nourrir. Ça se reproduira. Personne n'a envie d'attendre une demi-heure pour une tasse de café. C'est votre dernière chance. La commande est prête. On y va. Je prends quelle table? Ok, Omar. Omar, prêt? Allez, go! Marshall? Marshall! Inutile de crier, je suis pas sourd. Tu n'as pas commandé la collection de poupées Sweet Tuesday, ni les sweatshirts à capuche. Je m'en occupe tout de suite. T'aimes pas ça quand Thanksgiving est terminé et qu'on doit sortir les décorations de Noël? On n'a pas encore reçu les bougies, ni les verres, ni les livres de cuisine que je voulais. Et tu sais pourquoi, chérie? Parce que tu n'as pas passé ces commandes non plus. Il ne reste que 3 semaines avant Noël. On devrait effectuer certains changements ici. Je vais passer ces commandes. Non, c'est trop tard, je m'en suis chargée. Oh. Notre boutique va rentrer dans le 21e siècle. Comment ça? J'ai acheté un nouveau logiciel. Oh. Enfin, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai acheté. C'est Jason. C'est aussi Jason qui va l'installer pour nous. Jason? Il ne va quand même pas lâcher son boulot à Wall Street et venir jusqu'ici pour installer un malheureux programme informatique. Je l'ai eu au téléphone et il a dit qu'il avait un peu de temps. Il rentre à la maison, il est en route. Bonjour Christine, on peut parler? Bonjour Ed, bien sûr. Vous êtes pas quelqu'un de facile à joindre alors? Oui, ça a été compliqué entre les enfants, le boulot et... En plus, Noël est pour bientôt, du coup j'ai été très occupée. Trop occupée pour payer le loyer, hein? Vous avez été très patient, je vous paierai dès que je pourrai. Les 2 derniers mois? Absolument. Payez d'ici la semaine prochaine, Christine, sinon je devrais vous faire expulser.
C'est Noël dans quelques semaines. Ed, j'ai 2 enfants. Je fais tout mon possible. Je vous promets de vous payer dès que j'aurai l'argent. Je n'y peux rien, je regrette. Je fais pas dans le caritatif. Vous savez comment me joindre? C'est génial. T'es content? C'est top. Maman, tu sais quoi? Papa est là. C'est ce que je vois. Où est Ellie? Elle est pas venue. J'ai essayé de t'appeler, mais j'ai eu ton répondeur. Je sais, mon cœur, j'avais plus de batterie. Je suis désolée. J'espère que tu n'as pas eu peur. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Le proprio était là. Il a parlé du loyer. T'as besoin d'aide pour payer? T'as l'air en forme? Tu fais du sport? Maman, regarde ce que papa m'a apporté. Waouh, c'est vraiment super. J'ai une boîte de peinture. C'est vrai? Waouh. Pâtes, gratin de macaroni, crème glacée. Ouais! Vous voulez bien monter dans votre chambre que je puisse discuter avec papa? Mais il vient un peu m'arriver! J'ai envie de rester! Je sais, mon cœur, mais je vous apporterai de la crème glacée, d'accord? Un grand verre plus un tiers de verre chacun, maman, tu te rappelles? Au revoir, papa. Tu viens? Tu n'es pas censé venir à l'improviste. Les enfants étaient seuls. La babysitter aurait dû être là. Ça me manque de plus voir mes enfants. Alors, pourquoi tu les as abandonnés? Pour Rachel, pour Deirdre? Oh non, désolée, Sandy, Otto, comment elle s'appelle? Toi et moi, on n'arrêtait pas de s'engueuler. J'ai tout fait pour que ça marche pendant des années, Brad. Si tu veux voir tes enfants et passer davantage de temps avec eux, aide-moi, paye la pension alimentaire. C'est la 2e fois que Zach est obligé de m'appeler. Tu te rends compte? Les enfants devraient pas rester seuls. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as déménagé ici? Pourquoi Wilsonville? J'aime cet endroit, je me sens chez moi. Il m'a fallu 1 demi-heure pour arriver. C'est pas génial en cas d'urgence. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Joyeux Noël, Christine. Qu'est-ce que c'est? Un médaillon. C'est ton père qui me l'a offert. Oh, c'est une étoile, maman. L'étoile polaire. Ton papa disait que tant qu'on suivait cette étoile, on ne se perdait jamais. Quand tout va mal dans la vie et qu'on ne sait plus quoi faire, cette étoile nous montre qu'il y a toujours une issue. Tant que cette étoile brillera, il y aura de l'espoir. Entendu, merci. Et remerciez votre femme pour moi. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, au revoir. Bonjour, comment ça va les enfants? Je vous verrai plus tard, hein. À très bientôt. Allez les enfants. Bonjour Marshall. Ferme les yeux et maintenant devine ce que c'est. Oh, c'est un thé roulé à la cannelle, mon péché mignon. Attends, avec ce délicieux glaçage qui fond tout doucement dans la bouche. Oh, petit. Oh, il faut que je mange. Quand est-ce que tu vas reprendre ta casquette de coach? J'en sais rien, je sais pas, je suis trop vieux et fatigué. Marshall, tous les enfants de cette ville achètent leurs affaires de sport chez toi. Et tu n'entraînes même plus d'équipe de baseball junior. Il nous faut plus d'équipes pour être compétitifs. Les Bombers de Betty veulent que tu remettes ton équipe sur pied. Je vais y réfléchir, promis. La saison de baseball va démarrer avant que tu t'en rendes compte. Tiens, tu vas t'en occuper, je peux compter sur toi. Oh. Je crois que tu viens de raccourcir mon espérance de vie d'1 semaine. Oh, merci, Betty. Oh. Marshall, l'inventaire est incomplet, je te raconte pas le bazar.
J'ai reçu un coup de fil et il y a une cargaison complète de nappes qui nous attend à l'entrepôt depuis une semaine. Oh, tu sais bien que c'est pour t'obliger à rester vigilante. Grand-père? Le voilà! Ouais! Oh, bonjour, mon grand. Hey, tu as des mèches rouges? Oh, j'avais juste envie de changer un peu. Ça plaît à Marshall? Beaucoup. C'est très joli. Merci. Je suis passé prendre le logiciel que tu m'as demandé. Oh, quand pourras-tu l'installer? C'est déjà fait. J'ai un nouvel ordi portable pour vous, comme ça vous pourrez faire le suivi de l'inventaire. Contente? Plus que contente, merci beaucoup. Bon, je ferais mieux d'aller chercher ces nappes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, je suis si heureux de te voir. Ça me réchauffe le cœur. Comment tu as trouvé le temps de venir avec ton travail? Oh, eh bien, j'ai été viré. Oh. Dégraissage. Ça m'est tombé dessus sans prévenir. C'est pas évident, mais heureusement, tu as une famille sur laquelle tu peux compter. Une fois que tu en auras fini avec ce fameux logiciel, tu pourras travailler ici. Je ne vais pas rester longtemps, je dois passer des entretiens d'embauche pour me remettre en selle. Papa essaie de m'en obtenir un dans une banque internationale. Bon, d'accord. On est là pour toi. En tout cas, même si tu es seulement de passage, ça me ferait vraiment plaisir que tu nous donnes un petit coup de main à la boutique. Si tu as le temps, évidemment. Comme quand tu allais au lycée. Bien sûr, grand-père. Maman, je vole. Quelle lire, mets vite ta ceinture. Bon, d'accord. Tu sais quoi, maman? Hier, à l'école, mon prof m'a appris que si toi, Kelly et moi, on a chacun deux grands verres de crème glacée, ça fait un litre et demi au total. Waouh, je suis impressionnée. Alors, tu veux bien? Oh, maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai. Restez dans la voiture. Une ambulance! Madame, vous m'entendez? Ça ne va pas? Vous pouvez parler? Oh, voilà, ça va aller. Je vais vous sortir de là et vous allonger par terre. Voilà. Voilà, ça va aller. Madame? Madame? Non, 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 restez avec moi! Je m'appelle Christine. Non, s'il vous plaît, restez avec moi. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Reste avec moi. S'il te plaît, protège la dame, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? Restez avec moi. L'ambulance arrive. Vous la connaissez? Non, je l'ai trouvée inconsciente au volant de sa voiture. On va vérifier ses papiers pour avoir son nom. Elle a fait une crise cardiaque? Oui. Vous pouvez y aller, on prend la relève. D'accord. Hey, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Cette dame était très malade, mais comme tu as dit une prière et comme t'as appelé une ambulance, ouais, tu as été parfait. Je crois que tout va bien se passer pour elle. J'ai eu très peur. Je sais, moi aussi j'ai eu peur. Pas moi. Ton travail a appelé plusieurs fois. Oh non! Grimpez dans la voiture, excusez-moi. Allô? Une femme a fait une crise cardiaque. Je sais, j'arrive tout de suite. Dis à Rod que j'arrive, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Je peux vous expliquer. Je ne veux rien entendre. Une femme a fait une crise cardiaque. Vous avez toujours une bonne excuse. Les gosses, la voiture... Oh, Rod, je n'invente rien. Elle faisait une attaque. Elle a eu un accident de voiture près de chez moi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? La laisser où elle était? Votre chèque d'indemnité de licenciement sera après-demain. Rapportez votre uniforme quand vous viendrez le chercher. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est Noël quand même. La commande est prête. Hey, je suis désolée. Non, attendez. Est-ce que vous... vous allez bien? Oui, ça va, merci. Oh, non, c'est pas vrai, mon médaillon. Oh. Oh, qu'est-ce que je vais faire, Christine? Vous êtes Christine Isley? Oui. Votre ex-mari a fait une demande pour avoir la garde des enfants. Quoi? Manifestement, le moment est mal choisi pour en discuter, alors je peux passer chez vous plus tard dans la journée. Je m'appelle Patricia Addison, je travaille pour les services sociaux. Voilà ma carte.
Elle va comment? Elle va s'en tirer. Nous l'avons stabilisée, mais c'était bien une crise cardiaque. Elle va devoir rester ici un moment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'elle reste calme. Elle a beaucoup de chance. Si cette jeune femme ne l'avait pas réanimée, nous l'aurions perdue. On peut la voir? Oui, mais seulement quelques minutes, par là. Judy? Judy? J'ai jamais été doué pour exprimer mes sentiments, mais je veux que tu saches que ces 5 dernières années ont été 5 des meilleures années de ma vie. Pour être franc, j'étais pas sûr que ça pourrait marcher. Quand j'ai perdu Viviane, je ne pensais pas que je me remarierais un jour. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai pris un sacré risque, mais t'épouser, ça a probablement été une des décisions les plus intelligentes que j'ai jamais prises. Pas la plus intelligente? Et qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pris un sacré risque? T'étais réveillée depuis le début et tu m'écoutais? Tu n'as même pas pleuré? Tu m'as joué un sale tour, là. Il faut que je sois à l'article de la mort pour que tu décides enfin à exprimer tes sentiments? Comment tu te sens? On a eu tellement peur pour toi. Oh, ça va bien. Je veux sortir d'ici. Tu n'iras nulle part. Non, tu dois te reposer. Non, je veux trouver la fille qui m'a sauvé la vie. Tu ne bouges pas, je vais la trouver. Elle s'appelle comment? Christine. Les ambulanciers m'ont dit qu'elle s'appelait Christine. Et elle travaille chez Patterson. Ça marche. Grand-père, je passe te prendre tout à l'heure. D'accord. Bon appétit alors. Merci. Au revoir. Personne s'est ouvert, c'est déjà ça. Salut Joe. Salut Jason. Excusez-moi, est-ce que vous avez une employée qui s'appelle Christine? Non. Elle a sauvé la vie d'une femme ce matin et je voulais la remercier. Non, je regrette. J'aurais aimé vous aider, mais on n'a pas de Christine ici. Je l'ai confié à tes doigts de fée. Et sois pas chiche. Quand on mange chez pâtisserie, c'est qu'on compte pas ses calories. Moi? Chiche. Je suis la reine du glaçage. Bonjour. Ben, j'ai l'impression que vous vous êtes trompée de restaurant. Oh, je travaille plus là-bas, donc. Laissez-moi deviner, Rod vous a sorti son bon vieux couplet. Moi aussi, j'ai des enfants à nourrir. Comment vous le savez? Ah, deux des filles qui travaillent ici ont bossé pour lui. Je parie qu'il vous a pas dit que ses deux enfants vivaient plus chez lui. Du café. Comme d'habitude, John. D'accord. Certains hommes vous virent pour exercer leur pouvoir. Oui, et c'est pas la période idéale pour se retrouver au chômage. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe? Non, je me suis installée en ville il y a 4 mois environ. Mon mari est parti et je dois m'occuper des enfants. En tout cas, vous êtes venue au bon endroit. Cette ville a permis à de nombreuses personnes de prendre un nouveau départ. Mais vous avez du monde et je vous accapare. Je peux avoir 2 cookies aux amandes? Bien sûr. Merci. On a beaucoup de clients et pas assez d'employés. C'est bien ça le problème.
Vous pensez qu'ils embauchent ici? Je pense pas, j'en suis sûre. Je suis Betty. Betty, la patronne. Tenez, écoutez-moi ça. On ajoute un peu de citron et des cranberries pendant les fêtes. Ils sont tellement bons que ça donne envie de plaquer sa maman. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais... C'est ce que maman disait toujours. C'est bon, hein? Vous pouvez commencer demain. Vous êtes partante? Oui! Oui, bien sûr que oui. Merci beaucoup. En général, j'aime bien savoir comment mes employés s'appellent. Oh, pardon, je m'appelle Christine Eisley. Enchantée, Christine. Merci. Alors, à demain, ok? J'arrive. Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout, entrez. Tant mieux, merci. Je vous en prie. Les enfants sont en haut. Oh. Je peux vous offrir une tasse de café ou autre chose? Non, ça ira, merci. D'accord. Excusez-moi pour le désordre, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Oh, ne vous en faites pas, c'est pareil chez moi. D'accord. Très bien. Alors, votre nom complet est Angela Christine Eisley. Oui, mais tout le monde m'appelle Christine. Votre ex-mari a porté certaines allégations contre vous et c'est mon travail d'en vérifier le bien fondé. Il prétend que vous ne pouvez pas payer le loyer et que vous avez perdu votre travail. C'est arrivé ce matin. Je suis arrivée en retard parce que j'ai porté secours à une femme qui faisait une crise cardiaque. Je n'allais pas laisser quelqu'un mourir pour garder mon emploi. Donc, vous êtes effectivement sans emploi. À vrai dire, vous croyez au miracle? J'ai trouvé du boulot une heure après. Je vais travailler à la pâtisserie de Betty, je commence demain. Votre ex prétend également que vous laissez les enfants tout seuls à la maison ou que vous les avez confiés à une adolescente. Ce n'est arrivé que deux fois. La babysitter n'est pas venue, je ne sais pas pourquoi. Les enfants rentrent à pied tous les jours. Leur école est juste au coin de la rue. Vous comprenez qu'ils sont trop jeunes pour rester tout seuls? Oui, mais je n'avais vraiment pas le choix. Zach est très mûr pour son âge. Vous savez, il existe plusieurs programmes pour vous dépanner. Si jamais ça se reproduit, n'hésitez pas. C'est vrai que je l'ai su au dernier moment, alors... Est-ce que, par hasard, leur père aurait pu les garder? C'est pas quelqu'un de responsable. On peut pas compter sur lui. J'attends depuis 6 mois qu'il me verse une pension alimentaire. Est-ce que vous êtes allé en justice? Oui, il ne paye toujours pas. Très bien. Vous avez 2 semaines pour déposer une réponse au tribunal. Mais je pourrais pas payer un avocat. Je pourrais vous aider dans vos démarches. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais je crois au miracle. Que certaines poupées soient face à face. D'accord. Excuse-moi. Allô, oui? Oui, mon père m'a prévenu de votre appel. Non, non, c'est pas un problème. Oui, c'est dans mes cordes. Ne vous inquiétez pas, je ferai le nécessaire. Fantastique. À bientôt. Waouh, c'est beaucoup mieux. À propos, règlement de la maison, pas de téléphone portable dans la boutique. Désolé, grand-père. Papa m'a obtenu un entretien à New York, dans les services financiers. Ça pourrait être un tremplin. C'est ce que tu as envie de faire?
Oui, c'est un domaine très intéressant. Papa dit qu'on doit foncer quand une opportunité se présente. C'est pour ça qu'il a accepté ce poste à San Francisco. Ton père n'était pas fait pour vivre dans une petite ville. En revanche, t'avais pas envie de partir pour New York avec tes parents. Tu voulais finir le lycée ici, t'es peut-être différent. Ça lui plaît que j'ai ma place dans le monde des affaires. Je suis sûr qu'il est très fier de toi, mais je ne voudrais pas qu'un jour tu regrettes d'avoir fait carrière à New York juste pour faire plaisir à ton père. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent, on verra bien. Oui, je sais, c'est pas facile. Tiens, j'ai une idée. Sors faire un tour et prends le temps d'y réfléchir. On ne sait jamais, parfois la vie vous réserve des surprises. Ça marche. Tiens, pendant que tu y es, fais un saut chez Betty et prends-moi un roulé à la cannelle, s'il te plaît. Rosemary les nappe d'une bonne couche de glaçage, c'est à tomber par terre. Tu es sûr que c'est bon pour toi? Prends-en deux. Oh, et Judy m'a demandé si tu avais du nouveau sur cette Christine. Ah, je m'en occupe. Vous restez au chaud? Il vaut mieux par ce temps. Tenez. Oh, excusez-moi. Mettez celui de Rosemary en attendant que le vôtre arrive. J'en vais faire pour chaque employé. C'est vrai? Oh. Merci infiniment. Si vous saviez à quel point vous m'avez aidé. Ok. Oh, désolée. Doucement, doucement. Il n'y a pas le feu. Oh, mon pain. Tenez. Merci. Bonjour. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez, n'est-ce pas? De quoi? Non! Non, c'est une simple coïncidence si je vous croise. Je suis pas stupide non plus. Brad vous a engagé pour me suivre, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Brad? Mais non, on m'a demandé de passer prendre deux roulés à la cannelle. Oh, sans blague. Ben, vous les aurez pas. D'accord? Dites à qui vous savez qu'il n'a qu'à venir les chercher lui-même. Betty, le type qui vient de partir. Eh bien, il était pile devant chez Patterson quand Rhode m'a mise à la porte. Ensuite, il a traîné sur la place pour m'observer. Un peu plus tard, je l'ai vu parler au téléphone et il me suivait. Je pense que mon ex-mari l'a engagé pour m'espionner. De quoi il a l'air? Il est grand, brun et il a les yeux bleu foncé. Un beau sourire. Ouais, ça me dit rien qu'il vaille. Cette couronne et celle-là. Les autres ont l'air de sortir tout droit d'une confiserie. Entendu. Dans ce cas, dis-moi ce que tu penses de ces... Je m'ennuie tellement que j'ai l'impression de devenir folle. Vous avez entendu? Si j'étais encore malade, je serais pas aussi exaspérée. Détends-toi. Il faut que tu retournes à la boutique. C'est bon, non, c'est la saison où on a le plus de clients. Je te dis que tout va bien. Et voilà, c'est tout ce que tu as le droit de manger pour l'instant. Un yaourt? C'est même pas de la vraie nourriture. Si c'est à ça que le reste de ma vie doit ressembler, autant passer l'arme à gauche tout de suite. Comment ça se passe avec le logiciel? On va commencer à bosser dessus aujourd'hui. Comme ça, grand-père se fera la main avant mon départ. Marshall, s'il te plaît, demande à l'infirmière si je peux manger un toast. Je ne peux pas avaler ça, ce n'est pas de la vraie nourriture et je meurs de faim. Un toast. J'y vais. Jason, je sais que tu as envie de retourner à New York, mais comme je suis coincée ici, ton grand-père a besoin d'un coup de main. Alors, je me demandais si tu pourrais... Enfin, si tu pourrais... Oui, bien sûr. Oh, génial. Pourquoi tu restes planté là à me regarder vieillir? Allez, file. Une seconde, chérie, viens par ici. Écoute, le plus beau cadeau de Noël que tu pourrais me faire, ce serait de me permettre de regarder Christine dans les yeux et de la remercier de m'avoir sauvé la vie. Si elle travaille pas chez Patterson, alors elle travaille ailleurs. Trouve-la. T'en fais pas, je la trouverai. Est-ce qu'il faut que je fasse toujours tout moi-même? Vous? Vous? On vous a fait les ongles? Non, je cherche quelqu'un.
Je ne suis pas celui que vous croyez, Rosemary. Je ne suis pas non plus celle que vous croyez. En fait, vous seriez surpris de connaître la vraie Rosemary. Eh bien, je vis à New York, alors rien ne me surprend. Écoutez, je suis quelqu'un de bien. Je pourrais vous fournir une lettre de recommandation de ma mère, de mon grand-père, de ma manucure. Un de ces jours. Qu'est-ce que t'en dis, bof? J'ai fait toutes les boutiques du quartier, je crois que cette fille n'existe pas. Ou alors, elle a probablement quitté la ville. Et ton entretien d'embauche? J'y vais. C'est dans le secteur bancaire international, c'est mon domaine, j'ai le profil. Ah, je suis tombé sur Rosemary à la pâtisserie. Ça, c'est pas mal. J'arrive pas à la cerner, elle est très mystérieuse. Mystérieuse, Rosemary? Tu es fou. Occupe-toi de ces enfants, ce sont de futurs bons clients. Bonjour. 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 Bonjour les enfants, je peux vous aider? J'aime les poupées qui sont dans la vitrine. C'est la collection de poupées Sweet Tuesday. Une vendeuse va te montrer ce qu'on a en stock. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Le baseball. Ah ah! Moi, j'adore le baseball. On m'appelait Clutch quand j'étais au lycée. Clutch? J'ai gagné une importante partie avec un triple jeu. Oui, enfin, c'était vraiment énorme. Allez, suis-moi. Toi, tu as l'air d'être un receveur. Wow. Tiens, essaie ce masque. Voilà, tu mets ton visage là-dedans. Voilà. Waouh, t'es top comme ça! C'est vrai? Ouais. Le receveur, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. Un lanceur ne peut pas faire un bon match sans l'aide de son receveur. Ok. Tourne-toi. Vas-y, accroupis-toi. Voilà, c'est ça. Et maintenant, bascule sur les talons. Il faut que tu sois bien stable. Prêt? Bien attrapé. T'as déjà joué, toi? Un peu. Ah, c'est ce que je pensais. T'as de bons réflexes. Tu sais que la petite ligue débute au printemps? Est-ce que je pourrais revenir pour que vous m'appreniez d'autres trucs? Bien sûr. Hey, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zach et elle c'est Kelly. Je dois y aller. Tu viens, Kelly? Maman n'aime pas qu'on arrive en retard. Je pense que ça lui fera plaisir. Ils sont mignons. Ils ont acheté quelque chose? Non. Grand-père, il te faut un site internet. Pourquoi faire? Faut vivre avec son temps. Ça vient d'où tous ces souvenirs de baseball? Ah, j'étais une de ces mamans complètement dingues de sport. J'allais chercher mon fils Denis et ses amis et je les emmenais à l'entraînement. Je criais tellement fort au match que je m'enrouais. Ah, c'était une époque formidable. Et vous, pourquoi vous êtes venu à Wilsonville? La plupart des gens préfèrent les grandes villes. Ah, j'ai pas connu mon père, mais ma mère m'a dit qu'il avait passé son enfance à Wilsonville. Quand Brad et moi on s'est séparés, j'avais pas d'endroit où aller, alors j'ai fait mes bagages et j'ai pris les enfants. Et nous voilà. J'ai vécu dans différents endroits, mais franchement, c'est ici que je me sens le plus chez moi. Comment s'appelait votre père? Je connais peut-être sa famille. Seulement papa. Ma mère est morte quand j'étais petite et elle ne m'a jamais dit comment il s'appelait. Mais en revanche, elle m'a dit que c'était l'amour de sa vie. Maman! Maman! J'ai vu tout ce que je voulais pour Noël, juste au bout de la rue. C'est vrai, mes amours? Oh. Salut. C'est génial. Oh, quels beaux enfants vous avez. Bonjour, je m'appelle Betty. Ben alors, présentez-vous. Salut, je m'appelle Zach, enchantée. Moi, c'est Kelly, et je suis aussi enchantée. Alors, racontez-moi où vous avez vu toutes ces choses qui vous ont plu. Chez Wilson. Hmm? T'as vu toutes ces équipes de baseball? Waouh. Tu aimes le baseball? Je crois que j'aimerais être receveur. Oh, receveur? C'était le poste de mon fils. Et pour cette réponse parfaite, tu as droit à la casquette des Bombers de Betty. Hey! Allez les enfants, lavez-vous les mains, je vais préparer le dîner. Maman, j'aimerais jouer dans la petite ligue au printemps. Clutch trouve que je suis douée. Qui est Clutch? Il travaille chez Wilson. Il est trop fort. Il sait tout sur le baseball. Ah ouais? Tu veux bien? On en parlera plus tard. Avis d'expulsion, nous vous informons par la présente que l'eau et l'électricité peuvent être coupées. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Rien. On va prendre du chocolat chaud et des guimauves.
faire expulser à Noël. Faut que je trouve un deuxième job, je travaillerai le week-end. Bah, rendez-moi un service. Restez travailler un petit peu plus tard le soir, hein. Salut, Jason. Salut, George. Je peux avoir un café à emporter, s'il vous plaît? J'arriverai pas à me débarrasser de vous. Brad n'est pas quelqu'un de bien, je ne comprends pas pourquoi vous l'aidez. J'ai l'impression d'entendre un disque rayé. Qui est Brad? Je vous en prie, c'est le type qui vous a engagé pour m'espionner. J'ai entendu votre coup de fil. Non, pas du tout. Il s'agissait d'un entretien d'embauche. Je ne connais pas Brad. Je ne suis pas un espion, Rosemary. Je m'appelle... Pardon? Non, rien. Un deuxième sachet. J'adore le sucre. J'aimerais deux roulés à la cannelle à emporter, s'il vous plaît. Vous aimez le baseball? Non, je suis pas vraiment une fan de sport. Bien. Alors, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez survivre dans cette ville, apprenez le nom des joueurs de la petite ligue et leurs statistiques. Vous voyez ce type là-bas, avec la casquette? C'est George Jarvis, arrière-cour au lycée de Wilson. Il joue avec mon père, ils ont gagné le championnat d'État cette année-là grâce à un home run de Jarvis en fin de 9e manche. Wilsonville est comme ça. Les gens se sentent liés les uns aux autres. Ce sera tout. Je suis là si vous voulez que je vous coache. Salut, Clutch. Tiens, salut, Zach. Comment ça va? On se fait expulser. Oh. Je peux faire un tour? Oui, bien sûr. Tu sais quoi? Attends, je reviens tout de suite. J'ai quelque chose pour toi. Je voudrais que tu la tiennes comme ça. Place tes doigts sur les coutures. Là, parfait. Maintenant, lance-la en l'air une ou deux fois pour te familiariser avec. Ouais, c'est ça. Un joueur de baseball doit se sentir à l'aise avec sa balle. Tu peux l'emporter chez toi et t'entraîner, d'accord? Ouais, merci. Faut que j'y aille. Dors avec la balle, si tu veux. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'adore les sapins de Noël. Génial! Waouh! Merci. Y'a pas de quoi. Je l'adore. Bon. On peut aller regarder les jouets? D'accord, allez-y. Restez à côté, n'allez pas trop loin. Oui, maman. Promis. C'est la poupée que je veux. Donc, j'ai parlé avec Brad, je l'ai informé que vous aviez un nouveau job, et il m'a affirmé qu'il ne vous avait jamais fait suivre par qui que ce soit. Je me suis peut-être fait des idées. La cour s'intéresse en premier lieu au bien-être des enfants. Et vous êtes manifestement une bonne mère. Je l'espère. Donc, apportez absolument tous les documents qui pourront le prouver quand vous vous présenterez devant la cour. Demandez à Betty un certificat de moralité. Apportez aussi vos feuilles d'impôts et les fiches de paye de vos précédents emplois. Je peux pas perdre mes enfants. Les miracles, vous vous rappelez? Qu'est-ce que tu regardes, mon trésor? C'est celle que je veux, maman. Regarde-la, elle est trop belle. J'adore Noël. Les souvenirs, l'odeur du pain d'épices. Vous avez du crumble ou pas?
rien du tout et j'ai pas l'intention de m'en aller. Laissez-la entrer. J'ai cru que t'allais me laisser mourir de faim. Christine, ma vieille amie, Gloria. Gloria, Christine. Bonsoir. Enchantée. Gloria passe récupérer les cupcakes de la veille. Et il se trouve qu'elle dirige la meilleure garderie de Wilsonville. Oh. C'est vrai? Je cherche justement un endroit où envoyer mes enfants pendant les vacances de Noël. Oh, je regrette, mais on n'a plus de place, on est archi complet. Oh, tant pis, je trouverai autre chose. Christine, vous pouvez me chercher un paquet de sucre en bas? Bien sûr. Merci. Oh. Trouve de la place pour ses enfants. Hé, hey, tu fais pression sur moi? Je resterai pas là si tu lui rends pas service. Betty! Tu me crois si facile à avoir? Je te connais depuis le lycée. Je sais donc ce que « facile » signifie pour toi. Oui, et je l'ai épousée. Bonsoir. Bonsoir. Ma voiture refuse de démarrer. Oui, j'ai entendu. Je peux vous aider? Oui, merci. C'est gentil. Ouvrez le capot. Je crois que je vous dois des excuses. Vous croyez? Pourquoi vous n'arrêtez pas de venir à la pâtisserie? Parce que mon grand-père adore vos roulés à la cannelle. On dirait qu'il ne peut pas s'en passer. Alors, c'était vrai. Waouh, quand ça va mal, tout nous tombe dessus d'un coup. Qu'est-ce que ça donne? Essayez à nouveau. Est-ce que vous avez encore de l'essence? Le quart du réservoir. Votre jauge est défectueuse. Vous n'avez plus d'essence. Oh, il ne manquait plus que ça. Bon, je vais marcher jusqu'à la station d'essence et prendre 10 litres. Je vais vous déposer. Je... Écoutez, si vous faisiez une recherche internet sur moi, vous pourriez lire Jason, digne de confiance, bon athlète quand il était ado, a traversé une mauvaise passe après le lycée. S'est repris en main à l'université, a travaillé dur, récemment renvoyé, néanmoins, ce n'était pas sa faute. A encore un peu de mal à savoir ce qu'il va faire de sa vie. Ça semble très sincère. Donnez-moi une chance. Bon, d'accord. Ok. Si, si, ça marche. Je vais bien vous croire. Et je sais de quoi je parle. Vous la voyez? Ah, oui. Ça, c'est la petite ours. Vous savez que cette étoile qui est juste au bout de la queue, c'est l'étoile polaire. Ouais. Quand j'étais petit, mon grand-père me conduisait au bord du lac. On s'allongeait sur le capot de la voiture. On regardait le ciel étoilé et il me disait... Jason, si un jour tu t'égares dans les bois, les étoiles te guideront. Si tu suis cette étoile... Tu ne te perdras jamais. Tout va bien? Oui. Moi aussi, quand j'étais petite, quelqu'un me parlait de l'étoile polaire. Mais comment vous vous êtes retrouvée à Wilsonville? Bien, pour faire court, ma mère a rencontré quelqu'un lors de son dernier semestre à la fac à Boston. Ils sont tombés amoureux, c'était mon père. Et je ne l'ai jamais connu. Mais je sais qu'il venait d'ici, alors me voilà. J'ai deux enfants. D'accord. C'est juste... Ah. Et donc, c'est là que Brad entre en scène? C'est ça, oui. Enfin, non, plus maintenant. Vous voudriez pas boire un café? J'adorerais, j'ai une demi-heure de libre. Je vais prendre ma voiture. Je vous retrouve au café Bailey? Ça marche. Merci encore. À tout de suite. À tout de suite. Tu t'es beaucoup améliorée, c'est bien. N'oublie pas de dire à ta maman que je t'ai aidée à faire tes devoirs.
D'accord. Regardez, je vole comme un oiseau. Tu peux arrêter, j'arrive pas à réfléchir. Regardez, je vole comme un oiseau. Kelly, mais qu'est-ce qui s'est passé, Kelly? Cherche une couverture. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Appelle une ambulance. C'est ma faute. Non, heureusement que tu étais là pour la conduire à l'hôpital. Non, c'est pas moi. Mais alors? C'est elle. Madame Meredith, merci infiniment. Appelez-moi Dolly. Je regardais par la fenêtre quand votre bout de chou a grimpé sur la balustrade. Elle est tombée avant que j'aie eu le temps de lui dire de descendre. Mon Dieu. J'étais infirmière, donc je suis venue l'aider. Elle a eu une peur bleue. Je regrette qu'on ne se soit jamais parlé. Oh. Je reconnais que je suis un peu timide. J'aime pas m'imposer. J'essaie de garder un œil sur les enfants, surtout quand vous sortez faire une course. Je suis toujours là à les surveiller et à leur tourner autour. C'est comme ça que j'ai eu mon surnom, j'imagine. La dame chauve-souris. As days go by, tenderness grows. I love you from your head to your toes. You make the days lovely and fine. Because of you, life shines. Comment ça va ta bosse? T'as moins mal? Aïe, ça fait mal, faut pas la toucher. Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Papa! Salut. Salut, mon grand. T'as vu ça? Kelly s'est fait une belle bosse. Ouais. Salut, ma puce. Comment ça va? Je me suis fait mal, papa. Ouais. Tu as fait une petite chute. Qui était avec vous? Ali. Ali? La babysitter? Je peux te parler une minute? Bien sûr. Hé! Alors là, t'as foiré. Et pas qu'un peu. T'as confié nos enfants à une ado irresponsable, à nouveau. Faut le faire. Elle n'est pas irresponsable, c'était un accident. Un accident? Un accident qui se serait pas produit si t'avais été à la maison pour remplir ton rôle de mère. Arrête un peu. T'as jamais fait attention à Zach et Kelly jusqu'à maintenant. Et puis tout ce cirque que tu fais pour me prendre les enfants, c'est pas parce que tu les aimes. T'es en colère contre moi et tu veux me le faire payer. Ce sont mes enfants et je serai toujours leur père, t'entends? Et tu assumes merveilleusement tes responsabilités. Tu veux qu'on parle de responsabilité parentale? C'est ça? Parce que ce que tu viens de faire ce soir va tout changer. Je vais en parler aux services sociaux et... on sait tous les deux ce qu'ils vont faire. Je te signale que ça se présente mal pour toi aussi. Tu as abandonné tes enfants et tu n'as pas payé le moindre centime de pension alimentaire. Alors t'es mal placé pour venir me faire la leçon. Tout va bien se passer, tu verras. Je suis heureux que vous soyez là. Je vous ai appelé en chemin, je me suis dit qu'il fallait vous tenir au courant. J'étais déjà au courant, Christine m'a appelé il y a 2 heures, juste après l'accident. Écoutez, je sais que Christine veut bien faire, mais elle se laisse facilement déborder. Excusez-moi. Les enfants, les factures, le boulot... Je pense qu'avoir la garde des petits, c'est un peu trop pour elle. Oui, eh bien, ce sera à la cour d'en décider.
Merci d'avoir été aussi courageux aujourd'hui. J'ai cru que Kelly s'était fait très mal. Oui. T'es un super grand frère. Je suis impatient qu'elle rentre à la maison. Moi aussi. Papa n'aurait pas dû se mettre en colère contre toi. Chérie, je crois pas qu'il voulait s'emporter. Il est peut-être simplement stressé et préoccupé, c'est tout. Non. Maman, tu t'en souviens pas? Papa se mettait en pétard constamment. Je suis content que tu sois ma mère. Moi aussi. Tu n'es pas un peu jeune pour rester toute seule à l'hôpital? Ma maman est au travail. Elle va venir me chercher plus tard. Je suis impatiente de rentrer à la maison. Ouais. Moi aussi. Vous avez pas besoin de ça? Tu veux rire? Il t'oblige à utiliser ces choses pour que tu penses. Oh, ben alors ça veut dire que je suis vraiment malade? Pour qu'on dépense plus d'argent. Je vais peut-être m'échapper. Vous échappez? Vous aurez pas de problème? Oh, tu sais, mon cœur, je vais t'apprendre le secret d'une belle et longue vie. Certains des moments les plus amusants que tu pourras vivre n'arriveront que si tu t'attires des ennuis. C'est vrai? Je te le garantis. Réflexion faite, il vaudrait mieux que tu ne répètes ça à personne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mes devoirs. C'est super joli. Oui. Oui, très joli, c'est vrai. Il m'est juste apparu de nulle part. Comment ça? L'infirmière l'a trouvé dans mes affaires le jour où on m'a emmenée à l'hôpital. C'est un médaillon. Mais il n'y a pas de clé. Alors, d'où est-ce qu'il peut venir? Je pense que c'est peut-être un ange qui me l'a donné. Waouh! Ouais. Tu aimerais l'avoir? Sérieux? Oui, bien sûr. On m'en a fait cadeau à un moment où j'avais besoin d'aide, donc j'aimerais te l'offrir à mon tour. Mais tu dois me promettre une chose. Laquelle? Que tu l'offriras à quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. Promis. Tu tiendras parole. C'est promis. Entendu. Et voilà mon cœur. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Merci. Salut. Salut. Vous m'avez posé un lapin. Oh, je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Ma fille a fait une mauvaise chute, on l'a transportée d'urgence à l'hôpital. Oh, je suis navrée, elle va bien? Oui, elle va bien, merci. Seulement, ça c'est compliqué. Désolée. C'est gentil. Vous voulez qu'on essaie à nouveau? Oui, oui, j'aimerais beaucoup. Demain? Oui, j'aurai une pause d'une heure à midi. Génial, très bien. Demain au café Bailey. Ça marche. Super. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé ça au sous-sol. C'est pas parce que Judy et toi vous modernisez la boutique qu'on doit négliger ses origines. Il ne faut pas oublier que tu es l'âme de cette communauté. Mais si t'es pas d'accord, je peux la retirer. Non, 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 au contraire, continue. Ça me fait plaisir que tu t'investisses de cette façon. Non, j'adore ça. C'est bien de prendre des initiatives. En fin de compte, le type qui me suivait ne me suivait pas du tout. Il adore les rouler à la cannelle, tout simplement. Il a l'air vraiment gentil. Et
On a un rendez-vous en quelque sorte. Oh, alléluia! Alléluia! Parlez-moi un peu de Denis. Denis? Oui? Oh. Denis adorait le sport, mais c'est l'océan qu'il aimait par-dessus tout. Impossible de le faire sortir de l'eau. La pêche, le grand air. Il a trouvé du travail sur un bateau de pêche. Oh, j'aurais tellement d'histoires à raconter. C'était un beau garçon. Oui, c'est sûr. Je parie qu'il avait du succès avec les filles. Oh oui. Le problème, c'est qu'il avait du mal à se décider, mais quand c'était fait, il était loyal. Ça ne court pas les rues, les gens loyaux. Juste avant l'accident, il m'a appelé d'une cabine téléphonique sur le quai. Quel accident? Oh, vous saviez pas? Denis est mort. Il y a eu une violente tempête et son navire a coulé. Oh non. Je crois qu'il était tombé amoureux. Il a dit, maman, j'ai une belle surprise pour toi. Mais je vais attendre d'être à la maison pour te le dire en personne. Il avait une bonne nouvelle à m'annoncer. Mais j'ai jamais su laquelle. Puisqu'on parle de bonnes nouvelles, en plus d'avoir un job fantastique avec la plus merveilleuse des patronnes au monde, vous avez aussi une super garderie pour vos enfants maintenant. C'est sérieux? Chez Gloria, elle les prend? Elle a trouvé de la place pour eux et en plus les enfants auront une bourse. C'est vrai? Je sais pas quoi dire. Oh, faites pas tomber ces larmes dans mon glaçage. On fait des bonhommes de pain d'épices, pas des bretzels. J'aime bien l'hôpital. Tout le monde est tellement gentil avec moi. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Kelly, où est-ce que tu l'as trouvée? Une gentille vieille dame me l'a donnée. Quelle dame? Elle est venue dans ma chambre. Elle a dit qu'un ange lui avait offert. Ma chérie, c'est mon médaillon. C'est ma maman qui me l'a donné. Mais je t'ai jamais vue avec. Je sais bien, j'avais tellement peur de le perdre et... Je l'ai perdu et maintenant il est là autour de ton cou. Alors tu devrais le récupérer. Non, chérie, je pense que tu devrais le garder. Non, je peux pas. J'ai fait une promesse. Une promesse? Laquelle? J'ai promis à la vieille dame de donner ce médaillon à quelqu'un qui a plus besoin d'aide que moi. Alors maintenant, je te le donne. Merci beaucoup. T'es vraiment un amour. Mets ton bonnet et tes gants, je vais parler à l'infirmière. Je reviens. J'ai un peu d'argent de côté. Et j'ai engagé un bon avocat. Je sais que tu vas te faire expulser. Je veux récupérer mes gosses. Grand-père, on a besoin de toi en haut. Ah, on ne me laisse jamais tranquille. Judy pense que tu as lâché l'affaire et que tu ne cherches plus Christine. Non, c'est juste qu'elle est introuvable. Mais je dois reconnaître que j'ai été un peu distrait. J'ai rencontré une fille, on déjeune ensemble aujourd'hui. Content pour toi. Oh, t'en fais pas, on finira bien par la trouver. Mais en fait, je dois aussi passer mon entretien d'embauche aujourd'hui, alors... Je vais peut-être devoir annuler le déjeuner. Il va bien falloir que tu prennes une décision. Je sais pas trop ce que je dois faire. C'est à toi de décider, parce que chacun doit assumer les conséquences de ses choix. T'as raison, je vais passer mon entretien à New York. Voilà, c'était pas si dur. Tu te sens mieux maintenant? Oui, oui. Mais si je décroche cet emploi, je pourrais peut-être pas être là pour Noël. Je sais. Tu peux faire une livraison avant de partir? Oui, bien sûr. C'est pour la garderie de Gloria, celle qui est à la sortie de la ville. On leur donne autant de jouets que possible pour les aider. Je dirai au revoir à Judy de ta part. Poursuis ton rêve. Ça a l'air très sympa, qu'est-ce que vous en dites? J'ai pas envie d'aller à la garderie, je suis pas un bébé comme Kelly. La ferme, je suis pas un bébé. Ne parle pas comme ça à ton frère, t'entends? Vous allez vous amuser, vous allez vous faire de nouveaux amis. J'ai assez d'amis comme ça. Bon, écoute, chérie, je peux pas me permettre de payer une babysitter. Tu comprends, on doit commencer à faire des économies. Allez, on y va!
Allez. On est une famille, pas vrai? Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et si on décorait le sapin ce soir? Ouais! Et si tu t'asseyais sur cette chaise, elle n'attendait que toi. Cette chaise-là? Hé, hey, Clutch! Je savais pas que vous travailliez ici. Salut, Zach. Non, je fais juste une livraison. Tiens. Alors vous allez pas rester? Tu sais quoi? On va s'entraîner un peu tous les deux. Gloria, je peux emmener Zach dehors? On va se lancer la balle. Oh, bien sûr. Tu fais bien tous tes devoirs. Hein? Souviens-toi que si tu veux jouer dans une équipe, tu dois faire tous tes devoirs. Compris. Et n'oublie pas de tenir la balle avec tes doigts, pas avec ta paume, c'est important. Maintenant, lance la balle de toutes tes forces, n'aie pas peur. Allez, fais-moi tomber à la renverse. C'est parti! Ouah. Ouah. Ça alors, tu as failli me casser la main. C'était génial. Bon boulot. Continue comme ça, mon grand. Ok. Et à la maison, ça va bien? Ouais, ça peut aller. Je peux faire quelque chose? Ouais, être mon coach pour la petite ligue. Je sais pas, Zach. Je serai peut-être plus là après les fêtes. Je vis à New York et j'y retourne aujourd'hui. Mais si je reviens, je passerai te voir. Et on se lancera la balle, d'accord? D'accord. Génial. La pâtisserie de Betty? Bonjour, je peux parler à Rosemary? Ah non, elle n'est pas disponible. Vous voulez laisser un message? Oui, je suis un ami, je ne vais pas pouvoir déjeuner avec elle. J'ai un imprévu, je dois rentrer à New York. Vous pouvez lui dire que je suis désolé? J'avais très envie de la voir, mais j'ai un entretien d'embauche. Je l'appellerai à mon retour. Ok, je transmettrai le message. Rosemary? Oui? T'es toujours mariée avec Floyd? Oui, ça fait bien 10 ans maintenant. Pourquoi? Ton petit ami a appelé. Il pourra pas déjeuner avec toi. Quoi? Tu es déjà un grand bonhomme. C'est et c'est toi qui lui as appris ça. Bravo, tu as fait du bon travail. Tiens, bonjour, Jean. Ça va, merci. Bonjour, Claire. Incroyable, c'est vrai. C'est vrai. Même une soirée bienfaisante. Presque tout le monde s'y est mis, ça va être une belle soirée. Il m'a échappé quand je suis passé la voir. Je lui ai expliqué de quoi il venait à chaque fois, c'est la même histoire. Il faut toujours qu'il leur fasse des tonnes. Ah, je sais plus comment réagir. Tu veux toujours en parler à Tom? Du café? Non, merci, ça ira. Je passe. Tu étais presque. Ah, j'ai failli l'attraper. Vas-y, lance. Joli lancé. Tu l'as mis où, le petit oiseau que t'as fait, ma puce? Oh, il est là. Regarde, maman. Oh, il est magnifique. Tu veux bien l'accrocher au sapin? Oui. Maman, regarde ça. Super, je l'adore. C'est très joli. Bon, je dois faire mes devoirs de maths. Je l'ai promis à Clutch. Clutch, encore? Et où tu l'as vu cette fois? À la garderie. Il m'a dit que je pourrais pas jouer dans la petite ligue si je faisais pas mes devoirs. Ah oui? Faudra que tu me le présentes. Vous voulez bien vous asseoir une minute? J'aimerais vous parler de quelque chose. D'accord. Voilà. Quand Noël sera terminé, on va devoir trouver un autre endroit où vivre. Une maison qui sera moins grande et moins chère que celle-ci. Mais on n'arrête pas de déménager. Je sais, mon cœur. Ça veut dire aussi que le Père Noël risque de ne pas vous apporter tout ce que vous avez demandé cette année parce qu'il... Il va demander à ses lutins de travailler encore plus dur pour l'an prochain. Ça fait rien, maman. On peut attendre jusqu'à l'année prochaine pour le Père Noël. Oui, on peut. Vous êtes les meilleurs. Va faire tes maths maintenant. Tu peux me refaire un oiseau? Tout de suite. Mm-hmm.
bienvenue à la maison, tu nous as manqué. Je te remercie, mon chéri, ça me fait tellement plaisir. Hey. Je croyais que le médecin t'avait dit de te reposer pendant quelques jours, pas 24 heures. Comment pourrais-je me reposer alors qu'on est à 6 jours de Noël? Oh, la boutique est vraiment magnifique. À ce que je vois, Jason t'a donné un sacré coup de main. Oh, ça, tu peux le dire. Mais je comprends toujours pas ce stupide logiciel qu'il t'a installé. C'est pour ça que je suis là, mon cœur. Ah, vous êtes mignon. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je voulais vous dire que j'ai réussi. Ça y est, j'y croyais pas, mais j'y suis arrivé. J'ai pesé le pour et le contre. L'argent, le style de vie, une future promotion. New York est une ville fantastique. C'est vrai, tout ce dont tu as toujours rêvé est à New York. Toutes mes félicitations, mon grand. Tu as pris la bonne décision. Ton père va être si heureux que son fils suive ses traces. Les traces de mon père? Pas du tout. Non, en fait, j'ai une idée. Tu as dit que tu avais besoin d'aide ici. Alors, pourquoi je bosserais pas pour toi? J'apprendrai les rouages de l'entreprise familiale, enfin, si vous voulez de moi. Grand-père, tout le monde a tellement de respect pour toi. Cette ville repose sur des gens comme toi. Alors ma place n'est pas à New York, mais ici, avec vous. Tu es le bienvenu. Oh, bienvenue, mon grand. La pâtisserie de Betty, bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Rosemary? Elle est partie il y a une heure. Oh, génial. C'est vous qui avez appelé hier, n'est-ce pas? Écoutez, je veux pas vous faire de peine, mais Rosemary est mariée. Oui, elle l'était, mais c'est fini maintenant. C'est un pauvre type. Elle est beaucoup trop bien pour lui. Salut, Zach. Salut. Hey, tu veux qu'on aille s'entraîner? Ouais. Très bien, va chercher deux gants. Jason. Oui? Il y a un homme dehors. Il dit qu'il est le père de Zach et Kelly. Il veut les récupérer. J'ai besoin de renfort. On y va. Je veux mes enfants. Et tout de suite. Je regrette. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas entrer ici de cette façon et prendre les enfants sans nous avertir au préalable. C'est interdit par la loi. Appelez leur mère. Vous avez pas besoin de l'appeler. On ne vous laissera pas entrer. Pour qui vous vous prenez? Reculez, s'il vous plaît. Appelez leur mère. C'est ça, appelez-la. Dites-lui que ça commence à bien faire. J'en ai marre de tout ce cirque. Si vous êtes le père de ces enfants, vous devriez vous comporter en adulte au lieu de faire l'imbécile. Je veux mes gosses. Écoutez, je ne connais pas vraiment la loi, mais tenter de prendre les enfants sans autorisation peut vous valoir de sérieux ennuis. Alors calmez-vous. Et maintenant, dehors. Brad a réussi à avoir les enfants? Il a essayé, mais rassurez-vous, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Dieu merci. Le juge ne lui accordera jamais la garde après ça. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Oh, vous êtes tellement courageuse de lui avoir tenu tête. Non, non. Ce n'est pas vraiment moi qui ai empêché Brad d'arriver jusqu'aux enfants. En fait, c'est Jason. Il a pris les choses en main et il ne l'a pas laissé s'approcher de Zach et Kelly. Jason? Jason, comment? Salut, maman. Ah! Vous? Vous? Maman! Bonjour, ma chérie. Attendez, vous êtes la mère de Zach et de Kelly? Oui. Incroyable. Ce sont des enfants géniaux. Je sais, oui, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est l'heure du goûter. Ouais! Maman, allez, maman, je suis trop content. T'as quoi, toi? Doucement, les enfants. Moi, j'aime pas quand je te... Je m'en veux d'avoir douté de vous. Non! Non, c'est rien. Vous êtes tombé sur moi dans la rue, vous ne me connaissiez pas. Vous ne pouviez pas savoir. Merci d'avoir tenu tête à mon ex-mari. Vous me devez une fière chandelle. Je vous suis reconnaissante pour tout. Enfin, presque tout. Vous m'avez posé un lapin, je vous signale. Non, j'ai dû me rendre à New York pour passer un entretien, mais je vous ai appelé pour vous prévenir. On ne vous a pas transmis mon message, Rosemary? Ah, c'est vrai. Ok. Le truc, c'est que je ne suis pas Rosemary.
Je suis Christine, Christine Isley. Et je travaille avec Rosemary. L'autre jour, je portais son tablier. Comme je savais pas à qui j'avais affaire, j'ai pas pris la peine. Christine de... Ouais. C'est vraiment... C'est hallucinant. J'ai couru. J'ai couru partout en ville pour trouver une certaine Christine. Elle a sauvé une femme qui faisait une crise cardiaque. Oui, oui, c'est moi. Quand c'est arrivé, j'étais en route pour le boulot. C'est le jour où je vous ai bousculé. Je venais de me faire renvoyer. J'en reviens pas. Mais c'est du délire. J'arrive pas à y croire. Je dois vous laisser. Il faut que je... Vous savez, il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis que vous m'avez bousculé et depuis que vous... Enfin, que vous avez surgi devant ma voiture, que je vous ai vu de l'extérieur de la pâtisserie et... Et ensuite, dans la pâtisserie, je... Voilà. C'est une bonne chose de faite. Oh, quel Noël extraordinaire. Judy! Ce sont les chiffres de l'inventaire d'aujourd'hui ou ceux de la semaine dernière? J'y comprends rien. Oh, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Jason sait ce qu'il fait. Je l'ai trouvé. Qui? Judy, j'ai trouvé la femme qui t'a sauvé la vie. Où est-elle? Elle est absolument incroyable. En fait, j'arrêtais pas de la croiser partout en ville, mais sans me douter que c'était elle. Ah, elle a des grands yeux noisettes magnifiques. Elle a les cheveux longs à peu près jusqu'ici, un sourire éblouissant. Jason, et... qui c'est? Dis-moi qui c'est. C'est une mère célibataire. Elle a deux enfants adorables. Christine Isley. Elle vit ici, à Wilsonville. J'arrive pas à dormir, maman. Tu dois quand même essayer. Vous êtes Christine Isley? Oui. Signez ici. Ah, oh, j'ai rien commandé. D'où ça vient? C'est une livraison de chez Wilson. L'expéditeur n'a pas donné son nom. Voilà. Parfait. Je vous remercie. Voilà pour vous. Merci. Et joyeux Noël. Merci, monsieur. Joyeux Noël. Oh. Courage et votre gentillesse. Joyeux Noël. Et passez le bonjour à Cyril. Je peux vous aider? Oui, bonjour. J'ai reçu une livraison de votre boutique hier soir, mais j'avais rien commandé. Christine Isley. Vous êtes Christine? Oui, c'est ça. La commande était pour vous, il n'y a pas d'erreur. Pardon, mais qui me l'a envoyée? Ma femme et moi. Je suis Marshall Wilson. Je comprends pas, je regrette. Venez avec moi. Judy? Oui. Je te présente Christine. Oh, je n'arrive pas à y croire. Vous êtes la femme de l'accident de voiture. Christine, vous m'avez sauvée. Je suis tellement heureuse que vous n'ayez rien. J'ai une énorme dette envers vous. Non, non, vraiment, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'étais en retard pour conduire mes enfants à l'école, en retard pour le travail. J'étais au bon endroit, au bon moment, c'est... Non, ce n'est pas un hasard si vous étiez là. Je vous assure, n'importe qui aurait fait la même chose. Les cadeaux et l'argent, c'est beaucoup trop. Oh non, bien au contraire. C'est loin d'être suffisant. Vous avez sauvé deux vies ce jour-là. Et lui, c'est mon petit-fils, Jason. On se connaît. Vous étiez au courant de tout ça hier? En fait, quand je vous ai trouvé, il a fallu que je l'annonce à Judy et à grand-père immédiatement. Je veux que vous me racontiez absolument tout. J'en reviens pas de tout ce qui s'est passé cette semaine.
Et Noël est déjà pour demain. Et tous ces coups de fil pour Rosemary. Oh, dire que vous vous êtes imaginé que Jason Wilson vous suivait. Je connais ce garçon depuis qu'il est tout petit. J'allais le voir jouer quand il était dans la petite ligue, puis au lycée. Son père était le meilleur ami de mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Betty? Ce médaillon, où vous l'avez trouvé? Oh, il était à ma mère. Oh. Je peux? Bien sûr. Il ne s'ouvre pas. J'ai offert ce médaillon à mon fils avant qu'il prenne la mer. Non, il appartenait à ma mère. C'est mon père qui lui avait offert. Après l'accident, on m'a envoyé cette clé avec ses effets personnels. Je peux essayer? Tout puissant. Poursuis tes rêves. Hein? Christine, la bonne nouvelle que Denis voulait m'annoncer, c'était toi. Votre fils était mon père. C'est vrai, oui, ça fait tellement plaisir. Zach, est-ce que je peux te parler une minute? Bien sûr, Clutch. On a décoré le sapin tous les trois. C'est moi qui ai fait les oiseaux. C'est vrai? Ils sont beaux, hein? Vous avez vu le... Waouh! Je veux que tu sois mon receveur au printemps. Attendez, si je suis votre receveur, ça veut dire que vous êtes mon coach? Exactement. Coach Jason des guerriers de Wilson. Toi et moi, on va être dans la même équipe, mon grand. On peut ouvrir les cadeaux maintenant? Maintenant? Je sais pas trop, c'est le réveillon de Noël. Moi, je suis pour. J'ai une idée à vous proposer. Et si on en ouvrait un chacun? Excellente idée, je trouve. Bon, d'accord. Rien qu'un. Yes! Yes! Ah, bon. En voilà un pour Zach. En voilà un pour Kelly. Merci. Je me demande ce que c'est. Alors, c'est quoi? Oh! Regarde, maman, exactement celle que je voulais. Oh. Elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est, Zach? Wow! Une veste de baseball. Oh, bah ça alors. C'est de la part de qui? Allez, dis-nous ce qu'il y a sur la carte. Attendez, c'est écrit de la part de ton arrière-grand-mère. Grand-mère? On n'a pas d'arrière-grand-mère. Moi non plus, je ne savais pas que vous en aviez une, mais on s'est connus par hasard. Et on a découvert qu'elle était ma grand-mère. Votre arrière-grand-mère, c'est Betty. Oh, c'est vrai? Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Pour de vrai et pour toujours, mes chéris. Cette veste appartenait à mon fils, ton grand-père. Il s'appelait Denis. Merci, mamie. Merci, mamie. Oh. Je crois qu'on devrait tous se rappeler pourquoi on est là. On est réunis grâce à une petite étoile qui m'a montré le chemin quand j'étais perdue et qui a fait entrer Judy dans ma vie. Oh, vous m'avez rendu la mienne. Et la mienne. Et qui a ramené la vie dans la mienne. Et toi, tu n'as rien à dire ?
Je peux regarder maintenant? Oh, oui, vas-y, c'est joyeux bon. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi aussi. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël joyeux à tous! Noël. On peut ouvrir d'autres cadeaux? C'est le plus beau Noël de ma vie.